Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 143. Alors, du coup, je me suis renseigné concernant Motor Runner et sa quête Lune de Miel. C'est quelque chose qui est en lien avec les grands cannes et qui, pour le coup, m'intéresse un petit peu. Et j'ai testé, j'ai vérifié, même si les tox sont devenus hostiles parce que j'ai choisi la violence, c'est toujours possible de lui taper la discute. Là, je sais pas pourquoi il était sorti de sa salle du trône, parce qu'il a une salle du trône, et il en était sorti, on a dû le massacrer, et ça a déclenché l'échec de la quête. Mais je viens de réessayer, et c'est complètement possible de déglinguer tous les autres tox de l'aile de maintenance, sans que lui prenne part au combat. Et derrière, on peut lui taper la discute. Donc tout va bien. Tout va très bien, le concernant. La quête peut réussir. Même si j'ai choisi la violence. Ensuite. On va pas rendre les quêtes tout de suite au camp McCarran, parce que Motor Runner, une fois qu'on aura fait ce qu'il y a à faire dans Lune de Miel, on va le tuer, hein, bien sûr. Et ensuite, il y aura son casque à rapporter à McCarran aussi. Pas sa tête, son casque, mais bon, voilà, faut le ramener. Donc McCarran, on va pas y aller tout de suite. On va d'abord explorer un petit bout avec Raoul, hein, et notamment se rendre au Red Rock Canyon pour voir les grands cannes. Enfin faire leur connaissance. Et du coup, niveau quête. Donc ça c'est McCarran et l'abri 3. Ça c'est à McCarran. Ça c'est à Freeside. Ça c'est à Nellis. Ça c'est à Freeside, ça c'est pas loin de Freeside, mais on le fera finalement. Je suis renseigné sur ce truc là aussi et c'est sympa de l'accomplir, ça donne un petit truc sympa au final. Donc vous verrez quoi, vous direz quoi exactement, je vous le dis tout de suite ou je vous le dis pas? Ouais, si, je vous le dis tout de suite. Alors c'est pas en termes de récompense dans le jeu, c'est après, une fois que le jeu est fini. Il y a une petite slide de fin, une petite diapo de fin en plus si on fait ce truc là. Et c'est une diapo et c'est une petite slide que moi je trouve sympa, que j'ai envie de voir apparaître. Donc on fera ça, même si en soi c'est pas cool pour les gunrunners, ce sera cool plus tard. Ça leur fera faire un truc cool. Donc, saignez-moi à blanc, c'est l'abri 22, ça c'est l'abri 22 et l'abri 3, ça c'est un peu partout, ça c'est à Freeside, ça c'est au strip, ça c'est au fort, ça c'est au strip, ça on verra, ça c'est au fort, ça c'est au fort, ça c'est au strip, ça c'est la seule quête qu'on peut encore faire avant de retourner ailleurs. Ça c'est au strip, ça c'est au strip, ça c'est au 22, ça pareil, il faudra que je me renseigne, parce que du coup, avec les cannes, il y a beaucoup de trafic de drogue à faire, est-ce que j'en rajoute un de plus, ou est-ce que c'est pas grave si j'en enlève un? J'hésite un peu, parce que pour me donner bonne conscience, je pourrais dire que, bon, j'aide les cannes, mais c'est pour m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, une fois que toute l'histoire est réglée, parce que les cannes ont un rôle à jouer dans le combat final qui s'annonce, un rôle qui peut aider, qui peut être déterminant, et pour ça, il faut que je les aide. Il faut que je les aide dans leur trafic de drogue. Donc il y a un enjeu plus gros que le trafic de drogue sur la table, et ce serait peut-être bien que je mette toutes les chances de mon côté pour que les cannes aident à cet enjeu. Et ensuite, derrière, je balance toutes les infos que j'ai ramassées auprès des cannes à la RNC, et comme ça, ils démantèlent tout le trafic. On n'a qu'à dire que pour l'instant, je fais l'indique, même si, bon, ben, techniquement, non. Oubliez les rancœurs, c'est sur le strip, herbe haute, on a dit machin. Voilà. Retour à l'envoyeur. Je sais pas pourquoi le poste Charlie est pas à jour, moi, il me semblait l'avoir fait, et le poste Foxtrot, on n'y était pas encore, donc ça attendra. Et ensuite, c'est les DLC. Donc, ouais, on a pas mal débroussaillé l'ensemble des quêtes là. C'est pas débroussaillé que le mot que je cherche.
Il y en a un autre, mais bon, vous m'avez compris, on a pas mal réduit le rayon de... Ouais, c'est ceux qui sont au niveau de la station de pompage, on s'en fout. Mais on a réduit le nombre d'endroits dans lesquels il y a des quêtes à rendre, de beaucoup. Donc c'est cool. C'est cool. On n'a plus grand chose à faire. La liste s'amenuise. Le bâtiment auquel je fais face là. Basin Creek. Apparemment on y a été. Ouais, ça me rappelle plus grand chose. Je me rappelle plus trop comment était l'intérieur, mais bon. On a l'air d'y avoir été, donc. Y retourner. Usine de broyage de pierre de Samson. Ouais. Et toutes les portes sont fermées. De ce que j'en vois. Ouais, celle-là aussi. Pièce électronique, ouais, on s'en fout. Bon. Donc à part dire que cet endroit existe. Qu'on concassait de la roche pour en faire du gravier plus ou moins fin, plus ou moins grossier. Du coup, ce lieu ne sert à rien. Bon, c'est un peu décevant. On va pas se mentir. Alors, par là, il y a du peuple. Et à mon avis, cette baraque est à découvrir. Mais celle-là, non. Celle-là, je suis pas sûr d'y avoir mis les pieds. Bon. Ouais, c'est deux gens qui se baladent là-bas. Non, je verrouille pas d'ennemis par là, donc non, je sais pas ce que c'est. Par là on a des griffes morts. Et par là on a ces types. Bon, 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 bon. Mes bonnes vieilles grenades à plasma. Voilà. J'y arrive, j'y arrive. Hop. Ça touche. Ça touche. Hop là. Fait. Allez, bien joué! Parfait. Est-ce qu'on peut revenir à moi, vite fait? Alors, attends. Tac, tac, tac. Ouais. On va le déglinguer, lui. Parfait. Je suis faible, déjà. Je suis très faible. Alors, est-ce que je peux me prendre autre chose? Ouais, je vais prendre du Nuka, hein. Du Nuka et de la Sunset, si j'en ai. J'en ai, parfait. Oh la vache! Parfait, un de moins. Impeccable. Raoul et Eddie se portent très bien. Et apparemment c'est le dernier. Allez. Voilà, représailles que dalle.
nickel. Bon, donc lui que j'ai désintégré. Le 12-7 je prends. Ça je prends au purifié. Ouais, je peux prendre. Hop. Grenade à plasma essentiel. Grenade d'impulsion, pourquoi pas. Les étuis, on est bien. Toi. Hop. Eau purifiée, non. Grenade à plasma, essentiel. Oreille. J'hésite à prendre l'un des deux. Je reviens vers toi si jamais les autres n'ont pas de grenade à plasma. Hop. Les oreilles. Les étuis. Ouais, c'est bon. Brochette d'iguane. Oh, niveau nourriture, normalement, je suis bien. Hein. Ouais. J'en ai plein des brochettes d'iguane et je te parle même pas de ce que Eddie a encore sur lui. Alors, attends voir. 1, 2, 3 et... Et le quatrième. 5 mm, non. Ça, oui. Oreille de la Légion. Voilà. Et donc, grenade incendiaire, ouais. Et la mine à impulsion parce que j'ai la place. Hop, voilà. Donc, par là nous avons des griffes morts. Par là nous avons deux pégus. Allons nous occuper des pégus. D'abord, oui. Cette baraque, tant que j'y suis. Quand même, ils mettent les pieds. Alors non, parce que la porte est condamnée. Alors, deux griffes morts et un troisième là-bas que je vois mais que je ne détecte pas. Mais ouais, il me semblait bien que quand j'étais sur les collines là-haut, j'avais vu des griffes morts en contrebas. Il me semblait bien. Par contre, ouais, du coup, non, cette baraque, elle a une porte et elle est fermée. Non, elle a deux portes, elles sont toutes les deux fermées. Bon. C'est pas grave. Ces types-là... Qui c'est? Des poudriers. Ouais. Mais la baraque-là... Ouais, j'ai déjà visité, hein. Ferme de Hunter. On va leur foutre la paix, ils m'intéressent pas. Parce qu'apparemment ils repop, j'ai déjà exploré l'endroit, donc j'ai déjà dû les massacrer une fois. J'ai pas envie de faire ça en boucle. Par contre, oui, on affronte des griffes morts. Ok, boss. Donc, vous restez là pour pouvoir leur tirer dessus si jamais je viens dans cette direction. Mais vous m'accompagnez pas parce que sinon vous allez crever. Les griffes morts, c'est pas de la tarte. Je préfère les engager seuls. Avec ouais, des mines à frag. Et d'ailleurs, petite sauvegarde au cas où. Allez, petit. Venez chercher. Hop. Hop. Très bien. Hop. Hop. Et je suis mort, forcément. Ah là 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 là. L'infirmité des jambes n'est plus ce qu'elle était. Apparemment, il y avait Eddie et Raoul qui leur tiraient dessus. Qui essayaient, en tout cas. Alors, je vais essayer de reculer en ligne droite. Hop. Hop. Très bien. Fait. Hop. Mais c'est pas vrai! Punaise, d'habitude je les rends infirmes en 2-3 mines, là il en a fallu 5 et c'est toujours pas bon. Qu'est-ce qui se passe, au secours? Est-ce qu'il faut que je les stack à un endroit pour espérer que il se passe des choses? Hop. 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 Pas vrai ça. Mais non. C'est dingue ça.
D'habitude, les mines, ça marche. Est-ce qu'il faut que je passe aux mines à plasma? Les mines à plasma sont souvent moins efficaces pour des raisons qui me sont obscures, mais écoute, s'il faut vraiment venir à ses extrémités. Bon, il y en a un qui est infirme. Mais non! Ah, bon, j'ai rechigné à la lâcher. Je voulais d'abord voir si il devenait infirme, avant d'en gaspiller une de trop. Mais ouais, complexe, hein. Ou alors, faut que je retombe dessus, faut que je fasse le tour par là. A priori, il y en a un qui traîne, deux même, qui traîneraient par ici. Complètement. Écoute, je vais tenter ma chance avec cela, voir s'il se passe des choses. Hop. Hop. Voilà, tu vois, ils sont déjà infirmes, tous les deux. Là, pour le coup, ça marche. Alors, celle-là, elle va faire de la merde. La ramasse, c'est bon. Hop. Je les dilapide comme si c'était des bons becs, mais ça m'alourdit ces explosifs. Très bien. Impeccable. Voilà, mon brillant commandement qui consiste à leur jeter des petits des petits amuse-bouches comme ça sur la route, façon petit poussé pour les faire venir à moi. Donc, voilà, c'est une victoire en règle, celle-là au moins. Alors, perché sur mon caillou, est-ce qu'il va pouvoir se passer des choses merveilleuses? Bon, là, je vais le retrouver coincé, donc je vais juste mourir. Ouais. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû descendre. Mais en même temps, si je descends pas, ils viennent pas là où je veux. Ils viennent pas au plus près, et je peux pas leur balancer mes mines. J'ai bien fait de sauvegarder. Hop. 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 Mais c'est pas vrai. Bon, il y en a un qui est tombé infirme ce coup-ci. Mais ouais, je vais insister parce que cette méthode fonctionne, cette méthode a fait ses preuves. C'est juste que, bizarrement, ceux-là, ils sont un peu plus coriaces. Alors que c'est des griffes morts normaux, hein, c'est pas des mères griffes morts ou quoi que ce soit du genre. Bon, c'est bien. Mais non! Oh, il a dû me faire un coup critique, je sais pas. J'ai pas regardé combien j'avais de PV, mais j'aurais pu encaisser normalement un coup de plus. Allez, approche. C'est bien, ça en fait un. Et ça en fait deux. Parfait. Ouais. Non, ils vont esquiver la mine tous les deux. Tant qu'ils se dirigent pas vers les copains et qu'ils peuvent canarder impunément, moi je prends. Allez, c'était la dernière. On va s'arrêter là. Tu touches pas à Eddie, toi. Très bien. Eddie tient le coup. Il doit être mort. Non, il est pas encore mort, c'est ce qui me semblait.
Voilà. On est bien. Même si moi je douille, on est globalement bien. Je suis sûr que vous serez juste et équitable, boss. Voilà, et je me suis allégé de tellement. Écoute, je vais t'en prendre 260. Voilà. Pour l'instant, vous restez là. Il reste encore un griffe mort. Dont il faut qu'on se débarrasse. Alors, attends voir. Vous l'avez fait péter la mine, finalement, hein. Je crois qu'ils l'ont fait péter, ouais. Bon. Sauvegarde au passage. Et... Je vais leur balancer une grenade à plasma, deux grenades incendiaires. Celui qui traîne là-bas. Celui, ou plutôt ceux, il y en a plein. Un par là, trois par ici. Et j'ai pas de rocher suffisamment haut pour me mettre en sécurité. Bon, après, c'est un jeune. Celui-là, c'est un jeune, et si c'est le seul à m'avoir repéré, tout va bien. Parfait. Alors, on passe à une autre arme. Ce sera peut-être mieux. Parfait. Comme ça, toi, tu boites. Allez, il dégage. Bon. Normalement, ouais. Ils sont infirmes bien comme il faut. J'ai pas moyen de viser la tête. J'ai pas moyen de viser autre chose que le tronc. Bon, tant pis, hein. Il a réussi à me taper ou pas? Je suis pas sûr qu'il ait réussi à me porter un dernier coup avant de passer de vie à trépas. C'est pas plus mal. S'il ne l'a pas fait. Allez, sauvegarde. Et il devrait en rester deux, ouais. Alors, est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des jeunes? On verra bien. Oui, c'est les pégus qui traînent autour de cette ferme et qu'on avait déjà détecté avant. Tout va bien, pas d'inquiétude. Alors par contre, il y a une chose que moi je pense jamais à faire. Et ce serait bien que pour une fois j'essaye. Attaque furtive critique, c'est le genre de mécanique que j'exploite pas. Pas ou alors très mal. Ça touche, ça ça loupe. J'ai presque réussi à l'abattre avant qu'il atteigne le bas de la montagne. Et je l'ai vu, voilà. Mais voilà, le simple fait de se mettre accroupi et de les déglinguer comme ça de loin permet de faire des merveilles. Bon, du coup, maintenant que la menace a disparu, ces griffes morts d'ailleurs, j'espère sincèrement qu'ils ne repopent pas. Parce que Quarry Junction, si je reviens et que c'est de nouveau en train de pulluler de d'iguanes hypertrophiées, je vais être légèrement salé quand même.
pareil, il y a toute la... Alors j'allais dire la montagne des Grands Cannes, mais la montagne qui mène au campement des Grands Cannes, il y a Quarry derrière Quarry Junction, justement. Cette montagne-là, je l'avais une fois nettoyée bien comme il faut. Et vous souhaitez. Et j'aimerais que ça soit maintenu. Donc bon, j'en étais où moi? Hop. Hop. Voilà. Donc la rue là qui descend jusqu'à Sloane, je la connais. Ça... Alors j'avais pas conscience et j'avais pas remarqué que oui, c'est ici que se trouve Quarry Junction. Parce que moi c'était là. Justement, c'était à ce niveau-là que je voyais des villes au nord. Enfin, que j'avais cru voir une ville. Et qui avait normalement des griffes morts sur la route. Mais peut-être que le fait qu'on soit pas... On voit le même endroit mais pas du même point de vue et du coup j'ai l'impression que c'est deux endroits complètement différents. Je suis capable de manquer de repères parfois comme ça. Alors là... Ouais, à part de la chair en décomposition, pas de loot, pas de grotte à visiter. C'est juste un trou, très bien. D'ailleurs, tant que j'y pense... Sauvegarde. La victoire est totale et absolue. Les derniers griffes morts ont été abattus dans les règles de l'art. Et voilà, c'est Quarry Junction que je détecte. Et par là, normalement, c'est le fameux campement... des cannes. Où une petite dame attend que je me décide à lui rapporter une livraison de drogue ou pas. Alors, c'est pas exclu que par là, on ait encore affaire à un griffe mort. Mais bon, pour l'instant, je le détecte pas. Et pour l'instant, il y a eux, là, que j'ai envie de déglinguer très fort. Je sais pas ce qui s'est passé, il avait peut-être une grenade sortie et elle a tiré dessus, donc elle a pété. Impeccable. Victoire expéditive. Épingle à cheveux, parfait. Cartouche de 10 mm, non, ça m'intéresse pas. Que de m'embêter. Ferme de White Taker, ou White Taker, je sais pas comment ça doit se prononcer. Épingle à cheveux, voilà. Et... Toi, je t'avais pas looté. Si, peut-être. Attends voir. 1, 2, 3, et... Bon, ça c'est juste son bras, mais le quatrième, son corps est plus loin par là-bas. Il a volé. Mais si, c'est bon, je les ai tous lootés. Alors, ouais. Oh, flûte. Tiens-toi droit. Voilà. Parfait.
boîte à lettres vide, à part qu'ici ils étaient en train d'organiser un gros barbecue. Vous écoutez Radio New Vegas, votre petite showbox des terres dévastées du Mohawk. Je suis monsieur. Alors attends, ça c'est un papier qui est important. Le message indique que j'emmène la plupart des hommes à l'ouest pour aller voir l'abri dont on nous a parlé. Reste ici et surveille d'ici notre retour. Et fais gaffe aux Tox, ces types sont plus cinglés que le Scrambler. S'il y a un problème, appelle par radio. Ok. Alors Eddie, pousse-toi. Voilà, on y arrive. Alors, on va venir désarmer vous, je prends. Huc. Ouf, Crénio, soit ils avaient des tas de choses là-dedans. Je vais prendre ça parce que c'est bien. Et ça parce que pourquoi pas. Bon. Alors je m'attendais à pouvoir simplement sortir de la baraque. J'avais pas capté que la porte là était verrouillée, mais écoute, très bien, c'est fait. Et du coup, vers l'ouest, il y a un abri. Il s'agit pas de l'abri 22. Ça m'intéresse du coup, ça m'intéresse beaucoup. J'imagine que par là, on va pas réussir à passer. On va se retrouver face à un mur invisible. Ouais, ou juste une impossibilité de grimper. Les tombes là. Ouais, si je prends le 357, et je prends le calibre 12, même si j'ai pas pensé à prendre le pépon avec moi. Ouais, ouais, ouais. Abri là, non, il sert à rien. Bon, alors à quel point je suis proche de Red Rock Canyon? Je suis loin, loin, très très loin. Il n'est même pas encore question de l'approcher. Et toi, je savais que je te verrais un jour. Ouais, par contre, il faut que j'arrive à te caler un tir. Ah. De là, il y a peut-être moyen. Ouais, il faut qu'il arrive à se mettre sur le sommet de la crête. Ça touche. Ça n'est qu'un jeune. Donc en soi, pas une très grosse menace. Mais ouais, je sais pas où il est en train de se sauver. Dommage, ça va toucher le sol. C'est bon. La victoire est nôtre, les enfants. Hop. Et on la sauvegarde. Impeccable. Alors, l'abri 19, ouais, très bien. Pour l'instant, ce que je vois, c'est un parking, mais j'imagine que... ce petit poste à péage n'en est pas un. Ouais, 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 ouais. Ouais, je fais le tour du parking à tout hasard, mais... allez, l'abri 19. Muy bien, muy bien. A priori, ils sont pas encore hostiles à l'intérieur. Moi, ça me va. Ils sont au courant de ma venue, normalement, hein. Simple coup d'œil aux caméras.
L'alarme de la porte d'entrée, ils savent. Ils savent que je suis là. On commence par quoi? La cafétéria est... Enfin, on va au bureau du superviseur dans tous les cas, mais la cafétéria ou la clinique? Allez, la clinique. Bon bah c'est le bureau du superviseur, tant pis. Samuel Cook. Vous êtes qui, vous? Je sais que vous ne faites pas partie des détenus. C'est exact. Pourquoi vous êtes autant à cran? Juste quelqu'un des terres dévastées qui charge du travail. Pourquoi vous êtes autant à cran? Ce lâche de Lem a parlé de se rendre à la RNC. Maintenant, les hommes se demandent qui est le chef de ce gang. Tas de crétins. Qui c'est Lem? C'était un détenu comme le reste d'entre nous. Il s'est montré utile pendant la mutinerie. Mais depuis, ce n'est qu'un lâche. Il veut qu'on quitte l'abri pour se livrer à la RNC. Comme si la République allait nous traiter comme des êtres humains. Si t'es pas un poudrier, en tout cas, t'as failli en devenir un. Parlez-moi de la mutinerie de la prison. Une belle fiesta. J'ai planqué un peu de poudre ici, une arme bricolée là, et un jour j'ai offert une petite symphonie à la RNC. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai appris qu'il y avait un abri abandonné sur cette montagne et que les bestioles du coin avaient les dents assez longues pour faire fuir la RNC. Pourquoi la région est-elle si dangereuse? Tout le coin est pourri. Ça grouille de tox dans l'abri 3 à l'est. Et il y a des griffes morts au sud de là, à Quarry Junction. Côté humain, il y a les cannes au nord d'ici, et la base de la RNC de McCarran au-delà de l'abri 3. Il y aurait des super mutants au sud-est. Ah! Faudra que tu me parles des super mutants, parce que je crois pas que j'ai encore eu affaire à eux. Parlez-moi des tox d'abord. Ce sont des raiders, mais en pire. Ils se calment avec tout ce qu'ils trouvent. On les reconnaît au crâne à cornes qu'ils se mettent sur la tête. Parle-moi de Quarry Junction. La RNC a tenu une mine là-bas un moment, mais c'est plein de griffes morts maintenant. N'y allez que si vous cherchez une mort rapide et sanglante. Alors, je suis allé là-bas et j'ai cherché une mort lente et douloureuse pour tous les griffes morts avec un revolver 357 Magnum. Le problème, c'est pas l'arme avec laquelle tu vas à Quarry Junction. Le problème, c'est la quantité de munitions que tu emmènes avec toi. Par chance, j'en avais largement assez. Mais bon, j'en avais largement assez. J'en ai utilisé quand même beaucoup plus que ce qui m'en reste. Parlez-moi des super mutants. Il paraît que ces mutants sont différents, complètement cinglés. Ils utiliseraient une technologie qui rend invisible. Mieux vaut rester à l'écart. Attends, sud, est... Ah non, tu parles de... Moi je pensais que tu parlais de quelque chose qui était encore plus loin vers la bordure, mais du coup c'était la bordure ouest. Non, il parle de Black Mountain là, ok. Parlez-moi du camp McCarran. C'est la base principale de la RNC. Un vrai cloaque de conneries patriotiques. Si vous voulez rendre service à l'humanité, faites-la sauter. Pourquoi vous haïssez autant la RNC au fait? Parle-moi des grands cannes aussi, après. Cette République n'est qu'une vaste blague. Ce sont des tyrans à la solde d'un tyran plus grand, ce débile de Kimball. Il se croit autorisé à annexer tout l'Ouest et à intégrer hommes, femmes et enfants à leur système pourri. Ouais, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors attends, qui est Lem? Blablabla. Parle-moi de la mutinerie. Qu'est-ce qui vous a amené ici? La région. Voilà, parle-moi des grands cannes. Ils n'ont pas eu la vie facile, mais ils ont conservé leur honneur. S'il n'y avait pas Lem, j'emmènerais bien les gars là-bas pour nous joindre à eux. Parlez-moi des problèmes avec Lem. C'était un détenu comme le reste d'entre nous. Il a été utile, mais c'est un lâche et un fouteur de merde. Parlons d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, parlez-moi de ce Lem, on a vu. J'ai affaire à qui déjà? Parce que oui, avant même qu'on dise bonjour et qu'on se présente, t'es là en train de m'engueuler, donc j'ai affaire à qui? Vous ne savez vraiment pas qui je suis. Je suis Samuel Cook, le cerveau de la mutinerie de la prison de la RNC. Alors je crois que c'est un nom qu'on a déjà entendu, mais
Ben, je sais pas, pour moi c'était pas forcément un second, mais c'était juste un autre gars, parce qu'il y avait un. Ben, il y avait le chef des poudriers qui lui avait été resté à la prison pour l'occuper. Donc, ouais, j'avais entendu. Je crois que j'ai entendu parler de ton nom, ouais. Mais les autres avaient juste pas envie de te rejoindre. Comment avez-vous atterri en prison? C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, ouais. Je faisais sauter des caravanes de logistique le long de la 15. La RNC a repéré où je montais mes embuscades, m'a chopé et m'a mis en cage. Ouais, bah écoute, tu faisais de la merde. Donc pas étonnant que tu finisses en prison. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tu te plains de finir en prison, mec, tu faisais sauter des caravanes. Forcément que les gens après, ils sont pas contents. Enfin, en prison, il y avait aussi un type qui était shérif, mais qui avait tendance à faire passer la justice par lui-même, plutôt que par un tribunal. Enfin, il rendait la justice par lui-même, à coup de flingue, plutôt que d'amener les gens au tribunal. Ce qui est, ouais, moralement douteux, mais on est quand même dans les terres dévastées. On a d'autres trucs à faire que attendre la fin d'un procès, des fois. Donc, pour lui, ce type-là, ce shérif spécifiquement, ouais, on peut... Je peux être d'accord sur le fait que le mettre en prison, c'est pas forcément rendre un grand service à la communauté. Parce que, ben... Il était shérif. Il maintenait l'ordre. Alors... S'il élimine un innocent, je suis d'accord, c'est problématique. S'il élimine un coupable, et que c'est le coupable d'un crime très grave, genre viol, meurtre, etc., moi j'ai aucun problème. Moi j'ai absolument aucun problème avec ça. S'il commence à éliminer des voleurs et des mecs qui font des petits délits, là ça commence à me poser un peu plus problème. Mais bon, toi, tu faisais sauter des caravanes, donc non. Bon, vous savez des choses sur cet abri? Certains ordinateurs marchent encore, mais ils ne contiennent que des journaux et les conneries qu'on trouve dans les abris. Ok. Et t'as pas l'intention de me dire ce qu'ils disent, donc tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'irai chercher les infos moi-même. Vous avez du travail? Il y a des geckos de feu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il faut s'en débarrasser pour accéder au soufre. Je vous donnerai des capsules si vous les virez de là. Ok. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Pourquoi vous voulez mettre la main sur du soufre? Parce que c'est un des composants de base de la poudre noire. Avec le salpêtre et le charbon. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Il faut que je garde un œil sur Lem. Si je tourne le dos, il va aller se rendre en chialant à la RNC. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez vous occuper de ces geckos? Alors, d'abord, j'ai besoin de savoir pourquoi t'as besoin de ce soufre, et ensuite, Lem, écoute, ça te sert à rien de le garder avec toi. Vire-le, garde tes gars avec toi, et comme ça, si lui a envie de se rendre, eh ben, il a qu'à se rendre. Pourquoi vous avez besoin de ce soufre? Fabriquer des explosifs, des bombes, des très grosses bombes. Bon, vous allez nous aider ou pas? Parlons, au revoir. Au revoir. Voilà, je vais pas lui dire oui tout de suite, je vais d'abord parler à Lem. D'ailleurs, ouais, le bureau du superviseur, bon, tu l'occupes, mais même l'ordi là, il sert à rien. Nécessite une clé pour le secteur rouge, d'accord. Secteur bleu nécessite une clé aussi. Toi, t'es qui? S'il fallait pour ça que je ressemble à une goule, ça ne me dirait rien de vivre éternellement. On passe son chemin, ok? Ouais, il parle mal de... Raoul, quand même, hein. Un petit peu. Ils ont pas envie de vivre éternellement sous prétexte qu'il faut ressembler à ça. Mec, la meilleure question c'est, est-ce que tu as un intérêt à vivre éternellement? Et la question encore plus importante c'est, est-ce que tu saurais supporter le fait de vivre éternellement. Et ensuite, derrière, tu te poses la question de est-ce que ça vaut le coup de ressembler à un cadavre ambulant, à un zombie, ou pas. Les vraies questions d'abord. Ensuite, tu poses la question de l'esthétique.
médecine actuelle, mais rien d'autre. Patient 164 86 54. Ok. Et apparemment, il y en a un deuxième. Patient 658 56 45. Ouais. Et le patient 168 78 65. Hop. Voilà. Tout ça, c'est fait. Hop. On prend tout. Parfait. Les steam pack toujours bien. Patient 390 56 98. Voilà. Et le patient 549 84 65. Hop là. Scalpel ne m'intéressait pas. Je crois que c'était une deuxième seringue vide. Ouais, bon, il est par terre, c'est pas grave. Je vais pas m'amuser à le remettre à sa place, pour une fois. Rien sous la couchette ? Non. Impeccable. Donc, ça c'était la clinique avec une belle petite salle d'attente. Maintenant, alors recette de ragoût de tox. Ça permet de cuisiner le ragoût de tox de Cook. Ok. Alors, femme, 24 ans, la patiente est venue chercher de l'aide pour des crises de panique. Elle dit connaître souvent des moments d'extrême terreur qui la réveillent fréquemment. Ok. Homme 34 ans, patient amené par la police pour la 9e fois. Nous lui cherchons une place à la clinique pour une durée indéterminée. Homme 31 ans, alors il interprète souvent à tort les actions des autres comme hostiles. Il perçoit les interactions amicales avec les infirmières comme une infantilisation. Nous avons aussi remarqué que plus longtemps les autres patients restaient en contact avec lui, plus ils étaient susceptibles de se montrer agressifs envers lui. Du fait de la nature défensive du bonhomme. Ce qui renforce les sensations d'hostilité du gars. Bon. Ensuite, homme 27 ans, patient amené par la police, il prétend entendre des voix qui le provoquent. Il a dit avoir à une occasion pensé que ces voix venaient de la radio de son grand-père. Le patient pense maintenant qu'elles viennent de lui et cherche de l'aide. Ah ah. Et un homme de 22 ans qui se déclare fou. Il indique souvent avoir l'impression d'être en dehors de lui-même. Cette impression est si tenace qu'elle lui cause parfois des pertes d'équilibre. Il a souvent des difficultés à se déplacer dans la clinique sans causer d'accident. Donc des gens avec divers troubles de la personnalité, si c'est pas l'œuvre d'une quelconque drogue. Hop, trousse de médecin. J'en ai combien des trousses de médecins? Et surtout, j'en ai combien qui ne sont pas dans ma poche? Parce que ouais, j'en ai déjà une vingtaine ici. Donc c'est bon, les trousses de médecins, je pense que j'ai de la marge jusqu'à la fin de l'aventure. Bien, bien, bien. S'il fallait pour ça que je ressemble à une boule, ça ne me dirait rien de vivre éternellement. On est bon. Alors, est-ce que l'un d'entre vous porte le doux nom de Lem? Poudrier Renégat, ouais. Ah! Encore une trousse de médecin. S'il fallait pour ça que je ressemble à une goule, ça ne me dirait rien de vivre éternellement. Poudrier Renégat, t'es le seul à pas porter un casque. Le Nuka, ouais, je prends. La Sunset, non, j'en ai plein. Un Poudrier Renégat qui, lui, porte une capuche, pourquoi pas. Et toi, t'es le deuxième que je croise qui porte des lunettes de soleil. Bon.
C'est moi qu'on regarde comme ça ? C'est toi que je regarde comme ça, en tout bien tout honneur. Ah ! D'accord, il y a deux superviseurs. Enfin, deux postes de superviseurs. C'est pour ça qu'il était indiqué à deux endroits différents, alors qu'on avait la porte juste à côté. Récupérer les données. Données corrompues. Des faux dossiers médicaux. La paranoïa doit être induite par des moyens non violents et non chimiques pour que l'expérience soit considérée comme un succès. Données corrompues. Un groupe de techniciens a été assigné au fonctionnement du réacteur. Ils cherchent des moyens d'améliorer l'efficacité du réacteur. L'étage du réacteur est bien pourvu en personnel et totalement indépendant. Le seul accès entre l'abri et le niveau du réacteur, c'est l'ascenseur caché sous le bureau de cette pièce. Actuellement, le mot de passe permettant d'ouvrir le passage est Hyacinthe. Veuillez changer ce mot de passe en données corrompues. N'a pas été informé des recherches entreprises dans les niveaux inférieurs. D'accord, donc il cherchait à instaurer la paranoïa par des moyens non chimiques et non physiques. Donc ouais, ça correspond à ce qu'on a pu voir dans les notes. Dans les notes du... T'es qui, toi ? Ça me dérangerait pas d'avoir un de ces petits robots volants. Bon, ils font des commentaires sur Eddie aussi, c'est bien. Donc ils cherchent à instaurer la paranoïa par des moyens non violents. Et ils font des expériences au niveau inférieur en plus, avec des techniciens qui sont autonomes en termes de nourriture, en termes de médicaments, etc. bidule. Et toi, t'arrêtes pas de faire les 100 pas, à mon avis, tu es victime, sans t'en rendre compte évidemment, mais tu es victime, contrairement à Cook, de la paranoïa induite par cet abri, par une façon qu'on ignore. Vous n'êtes pas de notre bande, qu'est-ce que vous voulez ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce connard de Cook nous a piégés ici. Après notre évasion d'une prison de la RNC, il nous a traînés à travers les terres dévastées jusqu'à Stroh. Quelques-uns d'entre nous veulent aller se livrer à la RNC, mais Cook refuse de nous laisser partir. Ah ! Alors, ce qui me concerne, c'est débile de sa part, mais ouais. Pourquoi vous étiez en prison ? Je me débrouillais en piquant des trucs dans les camps de la RNC. J'ai fait de moins en moins attention et je me suis fait choper. Voilà, ça c'est typiquement le truc. Donc Cook, oui, lui, il mérite d'aller en prison. Toi aussi, parce que t'es un voleur. Mais pour moi, ta peine devrait être moins lourde. Parce que t'es juste un voleur. Alors, en situation de guerre, c'est grave, c'est très grave, mais bon. Bref. Comment tu t'es évadé ? Je suis sorti pendant la mutinerie de Cook comme tous les autres. Qui est Cook ? Samuel Cook, c'est lui qui a eu l'idée de la mutinerie. Mais c'est qu'un connard mégalo qui va tous nous faire tuer. Parle-moi de la mutinerie de la prison. Je sais me faire vraiment discret quand il le faut et les matons étaient des bouffons. Alors quand Cook m'a parlé de son plan, j'ai passé le mot à tous ceux qui pouvaient être utiles. Très bien. Parlons d'autre chose. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parlez-moi de Cook, encore. Cook n'est qu'un connard mégalo et il va tous nous faire tuer. Ouais. On est d'accord. J'ai affaire à qui ? Je ne suis rien de plus qu'un survivant. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce que la RNC me mette en tôle. Ouais. Parle d'autre chose. Vous avez du travail ? Ah, si vous trouvez le moyen de couper l'accès aux grottes de soufre, sous l'abri, j'aurai quelques capsules pour vous. Alors, pourquoi ne pas le faire vous-même ? Il faut que je surveille Cook. Ça m'étonnerait pas qu'ils se mettent à liquider ses opposants, à commencer par moi. Et pourquoi vous voulez bloquer l'accès au soufre ? Cook a l'intention d'utiliser le soufre pour fabriquer des explosifs plus puissants. Vous voulez bien aller dans les grottes pour voir s'il est possible de faire quelque chose ? S'il perd l'accès au soufre, il perdra aussi l'influence qu'il a encore sur les hommes. Ok, alors ? Plus tard. Je vais y réfléchir. Je vais devoir y réfléchir. Et je vais surtout devoir d'abord finir de fouiller cet étage, pour être sûr. Bon bah c'est bon, on avait fait le tour. Je voulais être certain qu'il n'y avait pas une pièce en plus, mais ouais. Ouais. Quartier 19, quartier d'habitation. Ouais, mais ça c'est dans les deux pièces, code bleu, code rouge. Et la grotte sulfurique qui serait du coup sous ton bureau ? Sous ton bureau, mais j'y ai pas accès.
j'imagine, je suppose. Ouais, j'ai rien à récupérer en plus. Alors là, pour le coup, je sais pas. Je sais pas si je peux déclencher les deux missions, ou si en déclencher une m'empêche de déclencher l'autre, comme c'était le cas à Good Springs. Parce qu'à Good Springs, si je décidais de parler aux poudriers, de lancer la quête avec eux, je pouvais pas du coup lancer la quête avec l'autre bonhomme, qui lui me permettait de justement protéger Good Springs. Ou en tout cas, de ne pas le déglinguer tout de suite. Donc je sais pas. Avoir des explosifs plus puissants pour aider à la guerre qui s'annonce, moi je dirais pas non. Le problème, c'est que Cook, lui, il veut des explosifs plus puissants pour sa gueule, pour déglinguer la RNC. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Donc moi, d'office, je m'allierai à Philippe. Sans hésiter. Parce que les poudriers, bon, les poudriers, c'est déjà mort, ils m'en veulent en permanence, donc... Je ferai pas copain avec eux, même si j'aide Cook. Je suis même pas sûr que Cook fasse partie des... Enfin, soit encore considéré comme faisant partie des poudriers. Je sais pas. Je sais pas si aider l'un ou l'autre de ces gars-là m'aiderait à... vis-à-vis de ma réputation des poudriers, de toute façon je m'en fous. Mais je suis pas sûr que les poudriers aident vis-à-vis de la RNC. Donc écoute, je vais faire une sauvegarde encore une fois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et on va t'aider à bloquer cette grotte de soufre. Merci. Prenez cette carte codée. J'ai essayé de pirater les mécanismes des portes, mais il y a que ça qui marche. Très bien. Carte du secteur bleu. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis? Alors, est-ce que du coup... Trouver le moyen de couper l'accès au soufre. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des geckos de feu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Ouais. Je vais le faire. Super. Oh, prenez ça. Il y a un lézard avec la sécurité de cet abri. Certaines portes ne s'ouvrent que si on a une carte codée. Parfait. La carte du secteur rouge. Comme ça, au moins, c'est fait. Je voulais les deux portes. Alors, porte du secteur rouge, bon, j'imagine que ça, c'est ma porte de sortie. Ouais. Impeccable. Mais ouais, j'aime bien, ils ont changé quand même la couleur des bandeaux. Donc là, on a les bandeaux bleus, ça c'est des bandeaux plutôt blancs, j'imagine, à l'époque. Et ça, c'est des bandeaux rouges. Par contre, je suis obligé de... Hein, la porte du secteur rouge, elle a tendance à se refermer. La porte du secteur bleu, non. Bah écoute, je vais visiter le secteur bleu d'abord, hein. En prenant, bien sûr, les crayons et les épingles à cheveux, toujours. Hop. Très bien. Coffre à jouer, ouais. Ah, combinaison d'abri. Je me disais, c'est bizarre que j'en ai pas encore trouvé. Bon, j'espère que je suis pas enfermé. Ça ressemble à une boule. Ça ne dirait rien de vivre éternellement. Bon. Alors. Un message du superviseur. Salutations résidents, nous sommes au regret de vous informer qu'il y a un problème avec un des filtres de purification de l'eau. Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour réparer ce problème. Cependant, tant que le filtre n'a pas été changé, veuillez limiter au maximum votre consommation d'eau et rendez-vous directement à la clinique si vous ressentez le moindre symptôme. Journal 138. Ça fait maintenant des mois que je lis les panneaux d'affichage. Je crois qu'il y a un espion parmi nous, un des rouges qui prétend être un bleu. Ils communiquent par le biais des panneaux d'affichage. Je crois qu'ils veulent me voir. Ah, d'accord. Côté rouge, côté bleu, ils étaient en compétition, peut-être. Je sais pas. J'ai remarqué une lumière qui tremblote derrière la porte dans le couloir des rouges.
pas de doute, c'est du Morse. D'après moi, c'est un signal de SOS. Ok, j'ai encore du mal à... Je pensais avoir cerné le truc, mais apparemment pas du tout. Bon, je suis pas enfermé. C'est bien. C'est la porte qui se ferme dès que je m'éloigne trop, parce qu'apparemment le secteur rouge et le secteur bleu ne sont pas censés communiquer. Et chaque secteur a son propre superviseur, du coup. Peut-être. J'imagine. Alors, carte codée du secteur bleu, je l'ai déjà, donc je vais pas la reprendre. Oula, beaucoup de messages. Alors, filtre de purification de l'eau, ouais, c'est la même chose. Journal 479. Le docteur ne m'inspire pas confiance. Elle a des gardes du corps. Pourquoi un docteur a besoin de gardes du corps? J'ai vu les gardes qui lui apportent ses repas. Je crois qu'elle ne quitte jamais son bureau. Il y a toujours quelqu'un en poste devant son bureau la nuit. Je me demande ce qu'elle cache. Ouais. J'ai travaillé avec un ami, il a essayé de pirater l'ordinateur du docteur. Pour l'instant, ça ne nous a mené nulle part. Ça a été dur de le convaincre, mais il a finalement accepté de me dire ce qu'il avait trouvé sur l'ordinateur du docteur. Il avait raison, ça ne m'a pas plu. Les dossiers des patients étaient semblables à ceux d'un asile, et tous les noms étaient codés, mais certains semblaient correspondre aux gens d'ici. Ça ne pouvait pas être nous. Mais ça ne pouvait pas être nous. Je ne me souviens pas avoir sombré dans la folie. Je le saurais quand même. Pourtant, ça doit être vrai. Ça explique le comportement du docteur et ça explique les gardes du corps. Je ne sais pas pourquoi je ne me souviens de rien. C'est sûrement un coup du docteur. Elle nous drogue peut-être. Il faut que je rentre dans son bureau. Oh là 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 là. Il joue à un jeu d'information-désinformation pour rendre les gens paranoïaques sans avoir, accès, sans avoir besoin d'utiliser de méthodes chimiques ou physiques. Ouais, celui-là je l'ai lu, c'est bon. Je souffre peut-être de démence, mais ça n'existe peut-être pas. La guerre n'a peut-être jamais existé. Si ça se trouve, je suis dans ma tête et je ne peux pas en sortir. Ça nous a demandé du travail, mais nous nous rassemblons. Mais nous nous sommes rassemblés et nous avons réussi à distraire les gens de la clinique assez longtemps pour que je m'introduise à l'intérieur et que je fouille un peu. J'ai trouvé des sangles et assez de sédatifs pour tuer un cheval. Elle les utilise sûrement pour nous contrôler, pour nous faire oublier. Nous ne sommes que des pions dans son jeu tordu. Aujourd'hui, nous nous sommes confrontés au docteur. Elle a refusé de nous donner la moindre information et nous a virés de la clinique. Manu militari pour certains d'entre nous. Nous avons essayé de parler au superviseur, mais il a fait mine de rien savoir. Je le crois, moi. Je ne le crois pas. Je ne lui fais pas confiance, pas plus qu'aux autres. Ouais. Ils balancent des petits grains d'information, ça germe dans leurs esprits et ça finit par saper complètement leur confiance en qui que ce soit d'autre et leur donner l'impression qu'ils sont fous. C'est un jeu incroyablement et abominablement dangereux. Mais ils s'y sont livrés. Comme toujours. Hop. Ça, c'est un bouquin, je prends. Les épingles à cheveux aussi, je prends. Hop. Parfait. Et à part ça, rien d'autre. Bon. Mais ouais, côté bleu, il y a des infos qui ont circulé. Côté rouge, il y a d'autres infos qui ont circulé. Et c'est tout. Et c'est tout. Pops. Je sais pas pourquoi ils me donnent des cartes codées du secteur bleu alors que je suis obligé... Enfin, je ne peux pas accéder au secteur bleu tant que je n'ai pas cette carte. Flûte. Qu'est-ce que j'ai tout pris? C'était des vêtements essentiellement, je crois. Fur. Tac, tac. C'est bon.
hop. Et ça doit être dans les divers le reste. Si c'est pas de la nourriture, ça doit être dans les divers. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Cruche en verre ferraille, ça c'était à moi. Paquet de cigarettes. Tube chirurgical, non, ça c'était à moi. Ça doit être de la nourriture, ouais. La vinasse. Et la bière. Voilà, je crois que c'est bon. Très bien. J'ai fait une fausse manip, moi je voulais juste ramasser les épingles à la base. Alors, un message du superviseur. Ça concerne toujours la purification de l'eau. Mais ouais. La graine, c'est ça en fait. La graine, c'est ça. C'est le superviseur qui leur dit d'aller voir le médecin au moindre symptôme. Donc les gens y vont pour un rien. Il y en a certains qui s'agitent, qui ont l'impression de devenir fous. Le médecin s'inquiète de ce que les patients pètent les plombs. Elle prend des gardes. Les autres patients voient les gardes, ils comprennent pas pourquoi. Bon, après, oui, ça c'est côté bleu. Il y avait des symptômes très légers, sans doute imaginaires, parce qu'il y a eu ce message. Et les gardes sont sûrement placés là à cause de ce que les rouges font à la clinique, peut-être. On verra. Alors, il y a quelques jours, je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai commencé à lire et à 1h30 du matin, la ventilation au-dessus de mon lit s'est mise à ventiler plus d'air que d'habitude. Ça a duré environ 5 minutes, puis ça s'est arrêté. Sur le moment, je n'ai pas tiqué, mais la nuit dernière, j'ai encore eu du mal à m'endormir et à 1h30, la ventilation s'est encore mise à souffler avant de s'éteindre 5 minutes plus tard. Ouais. J'ai des maux de tête ces derniers temps, je crois qu'on nous empoisonne. Je n'ai pas dormi de la semaine et chaque nuit, la ventilation souffle plus d'air que d'habitude pendant 5 minutes avant de s'éteindre de nouveau. J'ai parlé avec un des voisins, il m'a dit qu'il avait remarqué la même chose dans sa chambre. On a fait un rapport à l'agent de maintenance qui nous a dit que le système fonctionnait parfaitement et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je ne lui fais pas confiance. À tous les coups, il est au courant de quelque chose. Ah ah. Donc là, très bien, tu es en train de m'arroser avec quelque chose de peut-être un tant soit peu plus concret. Et ça, c'est l'ascenseur. Bon. On va encore voir côté rouge tout ce qui se raconte et on s'occupera de la grotte la prochaine fois. Côté rouge, c'est bien là, oui. Alors, qu'est-ce que eux y racontent de beau? S'il fallait pour ça que je ressemble à une boule, ça ne dirait rien de vivre éternellement. Très bien. D'ailleurs, fais-moi juste voir, j'ai pas ramassé un harmonica aussi et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas prêté attention. Non. C'est bon. Alors, je comprends qu'il y ait des cartes codées du secteur rouge dans chaque chambre. Ils en ont besoin pour revenir chez eux. Parce que les rouges doivent rentrer chez les rouges et les bleus chez les bleus. Mais bon, que... Enfin bref. Ça... Moi, ça me titille que tu me donnes la carte d'une porte... à l'intérieur de l'endroit où je ne pouvais pas accéder à cause de la porte. C'est un truc qui, moi, me trigger, légèrement. Alors... Non, ils ont balancé la même chose du côté des rouges. Entrée du journal 74. J'entends parfois des bruits par l'interphone. Papa dit qu'il n'entend rien, mais moi, j'entends quelque chose. Le bruit est très aigu et il m'arrive d'entendre une voix. Mais aucun mot n'est vraiment distinct. Maman dit que c'est mon imagination et que je devrais arrêter d'en parler, que je risque d'inquiéter les gens. Mais j'ai parlé aux autres enfants et eux aussi, ils disent qu'ils entendent la même chose. Ah ! Bon, ça c'est un truc tout couillon. Quand on est enfant, on est plus sensible aux hautes fréquences. On arrive à entendre les hautes fréquences, alors que quand on vieillit, on perd cette sensibilité. Il y a des gens comme ça qui, dans certains supermarchés, IRL, hein, je parle en vrai, c'est arrivé en vrai, ou alors c'est qu'une rumeur, je sais pas, mais c'était à l'étude de placer des émetteurs ultrasoniques
dans les supermarchés pour faire fuir les jeunes sans que ça n'impacte les personnes au-delà d'un certain âge parce que ce son, elles ne l'entendent plus du tout. Donc ok, chez les bleus, peut-être, ils ont distillé du poison par la ventilation, et chez les rouges, c'est des bruits suraigus, à très haute fréquence, à la limite de l'audible pour les enfants et complètement inaudible au-delà du spectre de l'audition chez les adultes. Donc ici, c'est des méthodes physiques pour les rendre fous. Ok, est-ce que dans les vêtements, j'ai oublié quelque chose ? Non. C'est bon. Je vérifie quand même que j'ai pas transporté un truc en trop. C'est une dynamite, mais... ça vient pas des habitants de l'abri, je pense pas. Ça, c'est plutôt un truc qui est à toi. Ensuite, par là. Alors, ça, c'est vide. Prends. Deux terminaux ici. Hop, caps. Toujours. Ouais, rien là-dessus, c'est bon. Commençons par celui-là. Alors. Je vérifie à chaque fois que ce soit le même message pour tout le monde. Des fois qu'eux, ils balancent des infos différentes à différentes personnes au sein d'un même secteur. Alors, j'ai demandé à droite et à gauche, et il n'y a aucune raison que les filtres ne fonctionnent plus. Quelqu'un les a sûrement sabotés, et une rumeur circule, prétendant que c'est un coup des rouges. Ça ne m'étonnerait pas, parce que chaque fois que je passe à côté d'un groupe de rouges, à la cafétéria, ils se mettent à chuchoter. Je parie qu'ils complotent quelque chose. Mais, on est du côté des rouges, ça fait pas de sens. Alors, voilà, filtre de purification de l'eau, toujours la même chose. Je n'arrive pas à dormir ces derniers temps. Il y a un des bleus qui traîne toujours près de la porte de sécurité. Je crois qu'il essaye de rentrer. S'il fallait pour ça que je ressemble à une goule, ça ne me dirait rien de vivre éternellement. Ah! J'ai accès au quartier d'habitation des deux côtés. Hop. Et rien du tout. Ça c'est du chewing-gum, on s'en fout. Ah. Ah ah. Voilà, l'argent d'avant-guerre planqué. Alors, toujours de la sunset qui traîne un peu partout. Derrière le canapé, une épingle à cheveux, et niveau caps, ça arrose beaucoup. Ça me dérangerait pas d'avoir un de ces petits robots volants. Très bien. Alors, toujours les filtres de purification d'eau. Alors, certains bleus ont fait du grabuge à la clinique aujourd'hui. Je parie qu'ils ont volé des médicaments. J'ai entendu les ventilations se mettre en route tard le soir, et d'autres les ont entendus. Je suis sûr qu'ils utilisent les médicaments pour nous empoisonner. Ils volent des réserves à la clinique et s'en servent pour essayer de nous tuer tous. Donc là, il évoque le fait qu'il y en ait un qui soit introduit pour fouiller la clinique pendant que les autres bleus distrayaient le docteur et qui a tout. Ce message-là parle du gars qui a juste fouillé la clinique pour découvrir que le docteur avait des sédatifs et des sangles. Et à cause de l'action des bleus, du coup, les rouges sont en train de... Parce que du coup, les rouges et les bleus, apparemment, ils mangent ensemble à la cafétéria, ils vont chez le même docteur, mais en dehors de ça, ils se croisent jamais, ils se parlent jamais. C'est fou.
simplement parce qu'ils vivent dans deux quartiers d'habitation séparés, ils se font pas confiance du tout. Ils refusent de se parler. Alors, non, je connais la vérité, le bordel de la clinique, c'était une ruse, le docteur doit leur donner des médicaments. Elle doit être dans le coup, elle ne quitte jamais son bureau, c'est sûrement parce que le poison est diffusé par la ventilation. Son bureau doit être le seul lieu sûr. Mouais. Mouais. Bon, le côté rouge, je crois que c'est le côté, bon, j'imagine... Non, ça va pas mener au même endroit. C'est pas possible que les deux ascenseurs-là mènent exactement au même endroit. À mon avis, on va... Enfin... On va atterrir dans le même étage, mais il y aura une cloison qui va les séparer de la même façon qu'il y a une cloison, enfin... Rim a un nouveau shérif qui veille sur la ville. Il y a quelque chose qui sépare les deux secteurs. Par précaution, je préfère aller dans le secteur bleu d'abord, parce qu'il me semble que le secteur bleu, c'est celui de Philippe. Alors, je sais pas s'il y aura ce système de porte à l'étage du dessous, et si on pourra passer du coup, d'un quartier d'habitation à l'autre sans avoir remonté ici pour prendre l'autre ascenseur. Je pense et j'espère que c'est bien foutu comme ça, qu'il y aura un système de sas en bas. Mais on descendra dans le prochain épisode. Allez, à ciao, bonsoir.